Et j'ai été emmené là-bas, au Vatican. C'était un moment incroyable. J'ai pas eu le temps de lui dire, c'était Benoît XVI, hein, il y a pas un peu. J'ai pas eu le temps de lui dire qu'il y avait des préservatifs parfumés. C'est sympa. Et du coup, ça me rappelle le mec, le paysan qui revient du salon de l'agriculture. Et il a ramené des préservatifs parfumés. Et il dit à sa femme, il dit voilà, on va faire un jeu. Il a tous les parfums. Hein. Cacahuète, mangue, tu vois, sucré, salé, framboise, tous les parfums. Alors il dit ce qu'on va faire. On va éteindre la lumière pour pas que tu vois la couleur du préservatif. Je vais en mettre un et toi, tu vas être obligé de deviner le goût. Et elle dit d'accord. Il éteint la lumière, il met son froc, sa femme se met à genoux, elle lui attrape le bite, elle fait Roquefort. Et là, il dit non, attends, chérie, j'en ai pas mis encore. Ça donnera plus. Ah oui. Semaine fermier. Sa femme l'a quitté évidemment à cause du goût. Donc le gars se retrouve tout seul, et il est tout seul, il a une trentaine de vaches, et il décide d'acheter une treilleuse portative. Ah ben ça va, si vous la connaissez, ça va. Il s'achète sa treilleuse portative, le technicien vient, lui explique les boutons, le gars il est tellement énervé qu'il n'écoute que la moitié des trucs, enfin bref, le technicien se casse et il prend sa treilleuse, il arrive tout content dans son champ avec sa treilleuse, il met un petit tabouret comme ça, sa treilleuse, et il veut l'essayer à tout prix, il va chercher la meilleure de ses vaches, la vache arrive, tu sais elle adore être le mec il prend les treilleuses et en avant il fait et il démarre. Et la vache, elle est comme ça, elle fait. Ah. Et l'autre, il est là, pouf-tu. Quelle treilleuse. Et la vache, c'est vraiment. Je dis, putain, c'est magnifique. Et l'autre, est comme ça, avec les jambes un peu assises. Pouf-tu, quelle treilleuse. Quelques minutes après. Il n'y a même pas bruit ni rien, la treilleuse s'arrête toute seule, il va regarder, il y a un seau de 10 litres de lait, tout crémeux, tout chaud, le gars il dit putain, quelle treilleuse, tout ça. Il va mettre le lait à toile d'écart, il dit oui mais ça c'est une salope ça, il faut que je prenne une autre. Il renvoie cette vache là, il va prendre une qui d'habitude n'aime pas ça, tu vois, qui donne des coups de pied, des coups de patte et des coups de queue, il la tient plus ou moins, il prend les treillons, et ça démarre. Même chose que l'autre, comme ça. Avec ses grands cils comme ça. Et il fait putain qu'une treilleuse. Quelques minutes après, la treilleuse s'arrête toute seule. Il y a 10 litres de lait tout chaud. Le gars dit putain qu'une treilleuse. Il vit seul, hein, donc. Qu'une treilleuse. Le gars, il sort calmement sa bite. Et on avance. Quelle treilleuse! Oh putain, magnifique, ça prend trois. Le mec qui vient dans sa treilleuse, c'est un bonheur. Et c'est fini, il est là. Allez, putain, treilleuse, quel jeu. Et ça continue. Oui, ça, juste pour vous les filles. Quand c'est fini, hein. Arrêtez de vous accrocher, c'est bon. Ça pique. Tu vois, donc quand il ça a l'air, putain, treilleuse. Il essaye de mettre la prise et ça tombe. Il est là, hey, salope de treilleuse. Il pense que j'ai la selle. Il appelle le technicien. Hey, comment est-ce qu'on arrête ta treilleuse? Tu lui fais, t'inquiète pas, Valérie, elle s'arrête toute seule après 10 litres.